par sec. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'inauguration d'un bâtiment au sein du centre Aminata Mbaye. En effet, au début, il n'y avait que cette salle devant laquelle nous sommes, qui est appelée salle polyvalente. C'est dans cette salle que se faisaient toutes les activités du centre à l'intention des enfants déficients intellectuels. Et petit à petit, avec la contribution de plusieurs États, de plusieurs organismes, avec la contribution de l'État qui nous a offert ce terrain, nous avons pu évoluer et nous en sommes arrivés aujourd'hui à cette belle structure. Donc ce nouveau bâtiment qui s'insère dans cette structure et qui porte mon nom, j'en suis très honoré, va compléter les différentes structures de ce centre. Donc pour vous dire que ce nouveau bâtiment va être d'une importance capitale parce que ça va permettre d'augmenter nos capacités d'accueil, étant donné que chaque année, plusieurs parents veulent inscrire leurs enfants dans ce centre. Voilà, donc nous en profitons pour remercier les ambassades, les pays qui, à travers leurs ambassades, ont contribué à la réalisation de ce bâtiment. L'ambassade du Luxembourg, l'ambassade de la Belgique et l'ambassade de la France qui ne cesse de nous accorder son soutien et son aide. Nous n'oublions pas aussi de remercier la SOCOSIM, société qui fait partie intégrante de notre pays, pour permettre à la réalisation de ce beau bâtiment. Et nous leur disons merci, merci, merci.